Salut à tous, mon nom est Yaik, nous voici ensemble pour un épisode de XCOM Chimera Squad. Alors, on avait un fusil à pompe légendaire, hein, ça, on va faire ça. Je vais même pas regarder autre chose. On va directement aller faire la mission pour aller le récupérer, vu qu'on a trois utilisateurs de fusil à pompe, ou quatre avec le robot si on compte là, ouais. On va enlever tout le matériel des autres, hop. Et on va rééquiper notre ami Claymore. Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'il a. Il a shrapnel lourd. C'est quoi déjà? Ah oui, shrapnel lourd, grenade collante, courage. Courage, c'est qui prend pas les explosions et tout ça. Hein. Charge assourdissante. J'aimerais bien avoir la description de ses compétences, c'est possible ou pas? Non, il veut pas mettre les petites infobulles. Hein. Comment on peut faire? Pas ici, c'est ça? Non, ça met pas l'infobulle. Hein. Bon bah tant pis, et bon bah shrapnel. Ok, donc il fait l'infiltration sans avoir besoin de matériel. On va lui mettre bah, des grenades. Alors est-ce qu'il peut en avoir deux lui? Il me dit pas qu'il aurait une capacité comme ça, non ok. La grenade acide, je suis revenu, hein. Flash, la flash est nulle aussi. Ouais, on va laisser l'acide. Et je vais lui mettre le nanomedikit parce qu'il l'avait. On en a trois maintenant. Alors je sais pas pourquoi on a de plus en plus de nanomedikit, mais j'ai l'impression qu'il y a un bug qui crée des nanomedikit dans mes sacs. Alors, la bombe perturbatrice, ok. Le blindage amélioré, alors. Ça pourrait être bien de le mettre devant les chrysalis et simplement les laisser se massacrer sur nous, mais ça renvoie pas beaucoup et ça n'enflamme pas la cible. Donc, peut-être. Peut-être que ça enflamme et que c'est pas marqué. Mais bon. Alors, le tir réflexe qui rate sa cible, c'est bien aussi, mais pas besoin avec lui. Il a les grenades, il bouge pas en fait. Rend insensible aux étourdissements et à la désorientation. Alors ça c'est plutôt cool, mais est-ce qu'on en prend tant que ça? Bah pas tant que ça, hein. On n'en prend pas tant que ça, en fait. Il faudrait qu'on se prenne des flashbangs ou des étourdissements. Ça peut être intéressant sur une mission finale de prendre ça pour pas avoir une mauvaise surprise. Mais là je vais mettre la cuirasse infernale. Ou alors je mets la cuirasse infernale que si on tombe sur des chrysalis. Donc, oui, allez, le flux, tant pis. Cross avancé. Et il lui faut l'autre truc qui est là. Cross avancé. Non, c'est l'autre truc qui est là. La poignée réflexe, on n'en a pas besoin. Donc, juste la crosse. Mais la poignée réflexe, c'est dommage de ne pas mettre la crosse avec. Parce que c'est la combo en fait. Oui, ok, bah pourquoi pas. Allez, on vire la crosse là. Puis on la met sur Axiom. Tissage régénératif, charge d'infiltration. Ça, on peut le virer. Vu qu'il est là. Et ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre à la place? Rien. La bombinette comme ça. Ouais, de toute façon, on n'a rien d'autre à mettre, donc on s'en fout. Autant lui laisser, du coup. Nanomedikit, on n'est pas obligé de le prendre. Grenade électrique. Et munitions perce-armure. Ouais, c'est quand même bien. Hein. Munitions poison, munitions. Ok. J'ai bien envie de virer. Pas la plasmique, mais la grenade perturbatrice. Pour mettre une vraie grenade. Alors, perturbatrice, c'est celle qui désarme les armes à feu. Ça marche pas sur tout le monde. Ceux qui n'ont pas d'armes à feu, ça sert à rien. Mais la flash marche pas sur les robots et les trucs comme ça. La perturbatrice non plus, d'ailleurs. On va bien y réfléchir. Si, ça marche sur les robots, mais pas sur les tourelles. Ouais. Ouais, va pour la flash, allez. Et je crois qu'on est bon. On lance comme ça. Il y a quelque chose qui cloche dans ce système d'équipement et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'ai l'impression qu'on a du matos qui est Bon bien, tuyau, mais pas on dirait top, que l'arme vous de voyez? l'ennemi est sur notre liste. Et en même temps, on a envie d'avoir un maximum de diversité. Je vais pas mettre trois tissages régénérants sur mes gars. Peut-être qu'il faut faire ça en fait. Alors, les tirs qui touchent les ennemis se transforment en coup critique. Ok. Visibilité limitée. Blindage plus 1 pour la première unité à entrer par ce point. On va pas rentrer par là. On s'en fout d'avoir un blindage parce qu'on va leur mettre des critiques dans la bouche. Donc, Claymore.
Axiom pour redonner des actions à Claymore. On fait comme avec Mother. Hein. Bon, avec Godmother. Et ensuite, on met bah, les inutiles. Ah, pourquoi il est là, Virgil? Ah oui, parce que l'autre est en entraînement, d'accord. Un coup comme ça. En avant. En fait, mettre Virgil en dernier, c'est un peu risqué quand même. Parce que on peut oublier qu'il peut psy que les humains et puis on peut lui laisser un robot par exemple. Alors là, 100% de critique, on peut le décapsuler. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'il a un petit point d'armure en plus là? Ah, c'est pas grave. On a critique, on a fait le dégât minimum, magnifique. Bon, on fait la même ici. En mieux si possible. Ouais, là on a mis 7. Ok, donc là on peut achever. C'est lui qui a la crosse, il pourra tirer, il sera en 1, donc on s'en fout, eux deux sont morts sur deux coups de crosse. Protecteur. Ah non, l'autre sera pas mort sur le deuxième coup de crosse. Éventuellement. Ouais, mais là on fait du critique alors, on veut engranger. Là on peut le tuer par exemple. Oui, on le tue automatiquement. Si ça touche. Parce qu'on fait 3 plus 1 de critique, vu que c'est un pistolet mitrailleur. Fusil d'assaut. Non, normalement ça fait plus 2 dans XCOM. Oh, je savais pas. Je me suis fait eu. Du coup, est-ce qu'on en a fait 20? Ça m'embête, tous ces critiques, mais si jamais on tue personne, on va finir par en crever. Hein. Là, on pourrait le tuer. Allez. Ok, il y a le poison. Voilà, tout va bien. Eh non, on l'a raté de 1. On a fait encore le minimum. C'est quand même pas Dieu possible de faire que du minimum. Alors, la frag, est-ce qu'il y a un civil derrière? Non. Si on la met là. Ah, je suis pas sûr. Si je le mets sur l'arbre, est-ce que ça va être considéré comme complètement couvert ou ça va bien en tuer un des deux quand même? Normalement, ça tue les deux. Mais je sais pas, vu qu'elle est sur le couvert en question. Ok. Encore un bon choix tactique, ça. Encore une bonne idée qu'il a eu le Hake. Par contre, là, on a une belle acide. Grenade. Ce qui va le shred, ce qui va lui faire des dégâts. Et il nous reste une action, la bombe collante. Alors, on peut achever lui, on peut le sortir de son couvert. Le protecteur, ça serait pas mal, hein. Allez, allez. J'aime bien ses compétences à lui. C'est vraiment un bourrin finalement. Hein. Bim, il va exploser son pote. C'est génial. Et il se prend le shrapnel. Parce que oui, c'était gâché de tuer lui. C'était totalement gâché de tuer lui. Parce qu'il allait mourir du shrapnel de toute façon. Et du coup, lui, en allant tuer son pote, il a survécu et il s'est pris le shrapnel. Donc c'est. Oh, c'est la méga combo sans le vouloir, quoi. Enfin bon, j'avais tout calculé, mais. C'était beau quand même, j'ai bien aimé. Alors là, on peut prendre l'objet. Oui, il va falloir que quelqu'un y aille de toute façon. Donc, autant y aller nous. On a un truc anti-robot, mais on l'a pas utilisé. Alors, on va ouvrir ça. Cache de contrebande. Smasha, Stompa. Putain, on croirait jouer un orc. Je peux faire le travail d'équipe, mais je vais le garder en fait. Est-ce qu'on a une autre infiltration derrière? Oh, je suis même pas sûr. Je peux quand même smash lui là. Je peux pas faire le tour, hein. C'est pas grave. Est-ce que je fais la motive? Ouais, allez, motive-toi. Gonflé à bloc. Ok. Il me fait peur quand il fait ça. Je brise les crânes. Étourdi 2. Et ben voilà, exactement ce qu'on voulait. Par contre, je suis pas sûr que ça fasse 3 l'acide. Ça fait 3, mais je pense que c'est de 1 à 3 là en fait le dégât. Donc je préfère pas prendre de risques. 73, 42. Bah lui est stun. Non non mais je vais. Plus vite balle, c'est un cooldown. Hein. Swiss bump. Allez. Non, pas sur Claymore, sur lui. Bon, j'en achève, mais on va faire l'autre. 100%. Je fais des vagues. Il est étourdi, on l'a raté, mais il est étourdi et il prend l'acide. Du coup, on va faire la pluie de balles ici. C'est pas un cooldown, hein.
Rechargement 3 tours, c'est sur cooldown, donc normalement il sera revenu quand on attaquera la deuxième. Ce qui est super balèze, c'est pas un usage unique. Et il est inconscient, et il est empoisonné. C'est gagné? Non, c'est pas gagné. Ok, ça me rassure. Alors, on va regarder en bas à droite tout de suite. 2 sur 2, donc c'est la dernière, on balance tout. Bonne visibilité, plus 25 de visée, frappe chirurgicale, coup critique, analyse rapide, marqué. Ok, on s'en fiche, esquive 50. La secondaire, on va pas l'utiliser. On va utiliser peut-être celle-là. Alors, 25 de toucher ou coup critique. Mon cœur balance. Hein. Franchement, je crois que c'est la porte principale pour tout le monde. Hein. Analyseur de cible, plus 50 au coup critique, ça sert à rien. Parce que c'est exactement ce que fait le bordel. Donc Virgile. Non, t'es mort. Perturbatrice pour enlever. Oui, on va faire ça. Hop, grenade perturbatrice et on envoie les deux autres, on s'en fout. Restez derrière moi. Je lance une grenade. Donc on leur a enlevé leurs armes et on a fait... Ah oui, on les fait paniquer. J'avais oublié. Lui, il fait paniquer le cri de guerre. Alors, 69, j'ai bien envie de virer lui quand même, parce qu'il va nous tirer dessus. Ouais, on s'en fout. Non, non, on tire sur le plus gros pourcentage, pour rien rater. Rien qu'en dégâts purs. Bon, évidemment, on a raté, hein, juste pour me troller, mais... 83, 74, ça devient plus tentant quand même, là. Ah, allez, on tente. Allez, on rate aussi. Ok, deux ratés d'affilée. Eh ben, on fait plus les marioles maintenant. On l'a raté, on a fait un crit, mais on l'a raté de 1. Putain. Eh ben... Infiltration de merde, hein. Allez, go. On l'a eu? Ouais, on en a eu un quand même, ok. Et en alerte. Ok, il a bougé. Lui en défense. Bonjour le renin. Oh, ça a l'air classe ces doubles griffes là. Je veux un perso pareil. Donc j'imagine qu'il ne faut pas s'approcher de lui. Ok. Vous voyez, hein, si jamais on s'approche, on va s'en prendre plein la bouche. Par contre... Ça a l'air bien ça. Je lance une grenade. C'est pas des robots, mais... Tiens, prenez un peu d'électricité dans la gueule. Étourdi 2, étourdi 2, étourdi 1. Donc c'est mieux qu'une flashbang, hein. Clairement, il n'y a pas photo. Donc les deux-là vont pas jouer, et celui-là, il perd une action. Donc il suffit que je le psy derrière pour lui faire perdre une action, et c'est bon. Ce qu'on va faire, du coup, c'est un tir. Parce qu'on s'en fout, c'est un tir gratos. Voilà, qui fait 2 de dégâts, et on va pouvoir le smash derrière. Smash, smash. Non, pas sur toi. Quoique, peut-être. Là, on le tue. Je viens gâcher la fête. On l'a raté. Ah, j'ai pas vu le pourcentage, j'ai pas fait gaffe. Il prépare l'autodestruction. C'est con parce que si on l'avait séché là, il nous aurait pas pété à la gueule. Bon, là, il nous a pas pété à la gueule. Parce qu'il a voulu nous tirer dessus et nous a raté. Ok, c'est cool. Le soldat, alors c'est qui lui? Renin. Renin, il est stun aussi. Soldat 1 sur 6, c'est lui, hein. Ok, il faudrait le sécher. On a une frag. La frag pourrait tuer les deux là. Si je la mets là. Ouais, c'est pas mal. C'est notre 2 sur 2, hein. On a plus de. Ouais, affrontement 2 sur 2. Donc on va faire le travail d'équipe sur Axiom. Et dernière action. Protecteur va pas exploser du shred, hein. Donc on va tirer sur le protecteur. 77, allez go. Oh, putain, on en a raté des tirs sur cette mission. Hein. Ça va finir par nous tuer ces conneries. Non, trop près, trop près. J'ai trop près du machin qui explose. Ok, mais je voulais pas bouger pour pouvoir faire smash derrière. 85%. Est-ce qu'on s'excite un peu? On est à 2, si jamais je fais encore une motivation, on risque de rater. Hein. Non, on va y aller cool. Désorienté, ok. Étourdi, d'accord.
explosion, ça tue lui, donc il joue pas. C'est à notre tech, et il faut qu'on empêche le colosse de jouer. Le colosse, il est défoncé là-bas. Je peux l'assommer, simplement. Je peux aussi donner 2 points d'action à Axiom. Tu leur tends un piège, tu les démolis. Alors, Axiom, il se balade beaucoup plus sur le terrain que Godmother, hein, ou que Glamour. Mais en fait, avec les grenades, on aurait fait à peu près la même chose. Hein. On aurait peut-être même pris moins de dégâts. Alors, on va achever lui. C'est con parce que je pourrais le maîtriser, mais... C'est un tir gratuit, le pompe. Il me reste des munes. Non, il m'en reste plus. Donc, on va smash. Mais il est bugué. Ouais, il est bugué. Hein. Regardez-moi ça. Ok. Bah, faisons ça. Salut, on se connaît. C'est un compatriote, il l'a raté. Ah putain. Oh le mauvais. Bah on va lui donner un peu de défense. Gremlin en route. La plasmique. Merci. Ouais, la plasmique ça paraît bien. Même si on peut pas toucher les deux pour enlever ces deux d'armure. Je lance une plasmique. Ah, on shred que de 1 avec la plasmique, dis donc. Du coup, il est en plein open. Kaboom. Ok. Du coup... On peut stopper là. Tour des 1, d'accord. Et on peut bannissement sur l'autre. On a combien de tirs? On a 4 tirs. Allez. Chance sur 2, 4 fois. Raté. Ouais, ça empoisonne. 4, c'est pas mal, il est mort. Et on l'achève quand même avant. Bon, on a vidé notre chargeur, mais on a eu le renin. Frappe au corps à corps. Faut taper plus fort, petit. Parce que là, je suis colère. Oh, il y a combien de points de colère? Il est pas passé en berserk. Je m'attendais à ce qu'il craque. Ok, là, il met le bouclier sur tout le monde. Donc, le bouclier est puissant hein, dans ce jeu. Parce qu'ils absorbent un tir, alors que dans l'autre, c'est juste des points d'armure et des points de vie. Je balance des explosifs. Ou des points de vie. Attention à vos pieds. Ok, donc la frag, elle est là. 81. Non, bah autant tirer sur lui. Oui, donc c'est des points de vie comme dans le jeu. Je dois recharger. Alors là, on a régénéré 2. On peut le smash. Mais en même temps, ouais, il faut lui faire 2 dégâts en fait. Parce que lui, il va prendre 4. Il est bon et lui, il lui manque 2. Par contre, je peux faire simplement maîtriser. Pour être sûr qu'on s'énerve pas et tout ça. Voilà, on lui enlève juste le shield. Vous devez rester à terre en principe. Et là ça va faire boum. On peut soigner les copains. Tout le monde est intact. On va te remettre les tripes à l'intérieur. Tu crois que je sais pas me défendre? Allez, juste parce que ça risque de l'assommer. Non, on l'a raté de toute façon. Ok. Rembourrage. Oh oui, c'est un grenadier. C'est un grenadier, donc il ne prend pas les explosions. C'est rigolo. On aurait pu y penser à ça. Donc du coup, il faut pas le rater, mais on a plus de... On a plus de munitions. Il n'y en a pas de rechargement gratuit. Oh, je suis un boulet. Il va pouvoir agir. Non, c'est bon, là, étourdi 2, on a... Ouais, c'était tout prévu. Étourdi, du coup, il bouge pas. J'ai besoin de munitions. Donc, avec tous les ratés qu'on a fait, on s'en sort quand même vraiment large. Je suis à sec. Tu vas me le maîtriser, sûr, on va l'enfermer. J'ai maté la cible. Et on a récupéré le machin. Ouais, donc on en a pas stun assez, mais... Vous avez vu, on a raté 1 million de tirs, donc imaginez sans rater, ça aurait été vraiment une formalité. Hein. Mais bon, heureusement qu'on a un peu de marge si on rate, hein. Sinon, ce serait horrible.
Alors, débloquer le potentiel, conditionnement, c'est fait. Braise néophyte, donc c'est le pompe. Ça doit être un truc qui enflamme. Braise. Alors, agent inactif. Ok, Blue Blood, promotion. tu peux m'aider à m'entraîner? J'ai besoin de tester un réglage de mon bouclier. Bien sûr. Tu veux qu'on fasse quoi? Je veux que tu me tires dessus. Non, non, enfin, je peux pas te tirer dessus. C'est le seul moyen de tester mon bouclier. Chérub, c'est pour ça qu'on a des mannequins balistiques. Ah bon? Ouais, je vais t'en préparer un. Merci, Blue Blood. Je ne sais pas ce que je ferais si tu n'étais pas dans l'équipe. Tu te ferais Tu prendrais tirer sûrement dessus. une balle dans la poire. Alors, on va promouvoir l'agent. La promotion a débloqué poussée d'adrénaline. Smash et motivation ne mettent pas fin au tour et n'ont pas besoin de se recharger. Non. Mais non, c'est pas possible. Donc il peut se motiver comme un salaud dans son coin avec deux actions ou trois actions, s'il en a envie. Bon, ça coûte quand même une action, hein. Ouais, mais non, la motivation, ça coûte zéro. Donc il peut se motiver autant de fois qu'il veut, quoi. Et après, il peut smash deux fois dans le même tour. Ah oui, mais c'est un cooldown de 4 tours. Donc en fait, on fait pousser d'adrénaline pour le foutre à fond en berserk, en gros. Mais j'ai peur que... Oui, d'accord. Ça le rende incontrôlable, parce que si on se poussait... Si on motivation trop souvent, il risque de craquer et de faire une action tout seul, en fait, sans qu'on le contrôle. Ok, bon, ça va être bizarre, mais admettons. Admettons. Le flingue. C'est ça que je veux, moi. Alors, fusil à pompe amélioré, braise de néophyte. Alors... Oh, mon Dieu! Ah ouais, non, mais lui, il est encore mieux que les autres, parce qu'il a une capacité et il augmente de 1 les dégâts. La production de ce fusil à pompe à l'époque de l'invasion a pris 1. Il s'agit du seul exemplaire connu. Alors, taille de chargeur 3, donc ça c'est normal. Capacité tir rapide. Deux tirs à la suite sur un ennemi, chaque tir subit une pénalité de moins 15. Tir rapide ne peut être activé qu'une fois par mission. Ok, c'est pas aussi puissant que l'autre. Mais là, c'est un pompe. Et là, c'est la capacité du ranger. Par contre, une seule fois avoir une mission, ouais, c'est arche quand tu compares à l'autre. Parce que c'est exactement le même truc, s'il a un touche, l'autre. Mais là, les deux tirs partent, hein, quoi qu'il arrive. Même si tu rates le premier, le second, il part quand même. Ouais, donc techniquement, il est moins bien. Mais par contre, il a fusil à pompe amélioré, dégâts plus 1. Non, ça, c'est parce que... C'est tous les fusils à pompe qu'on a, hein. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on a le truc. Donc, non, non, il fait les mêmes dégâts que le fusil à pompe, sauf qu'il a tir rapide. Eh ben, est-ce qu'on a envie de le mettre sur lui? Non, parce que lui, déjà, il est psychotique. On a envie de le mettre sur... Bah, pas sur lui. Parce qu'il lance des grenades et il tire deux fois. Pourquoi pas? Sur elle. Bah, de toute façon, c'est un usage unique, donc peu importe sur qui l'on le met, hein, finalement. Autant le mettre sur le meilleur viseur. 72, 75... 75. Okay, donc ça va être sur lui en attendant. Mobilité plus 1, esquive plus 5, plus 2 points de vie. Très très bien. En fait, tous les persos sont bien. Vous avez pas remarqué? Tous les persos sont faits à la main, on a l'impression. Donc là, il nous faut deux gars. Alors, on va les retirer aussi. Non, attendez. Désaffecté. Désaffecté. En fait, on va choisir notre team. Ça serait cool qu'on puisse faire deux teams de 4, vu qu'on est 8. Vous voyez, et qu'on puisse tacler deux missions en même temps. Ça aurait été bien. Par contre, on peut pas laisser partir celle-là. Celle-là va passer à 5, celle-là va passer à 5, et on peut en gérer qu'une des deux. Par contre, on pourra empêcher une de se développer, et on peut en manger une. Oui, donc ça revient au même. 95 crédits, ouais, on va manger celle-là pour pas qu'elle monte. Et puis on fera celle-là. Donc il nous faut regarder l'entraînement. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Mais il y en a qui sont passés de niveau, donc c'est possible qu'ils aient de nouvelles compétences. Virgile, c'est qui? C'est. Ouais, c'est Axiom qui est passé, c'est le dernier évidemment. Mobilité et blindage. Ah oui, ça c'est bon, je prends. On valide. Donc il y a lui là, on va envoyer un gars ici.
Alors, on va envoyer un giga qui va nous prendre le faux achat d'Elerium, le soutien de l'enquête. Ouais, je crois que c'est le soutien d'enquête. Recrutement massif, c'est pas nul, hein. On a vu que ça nous coûtait cher maintenant. Ouais, je vais faire ça parce que sinon je le ferai jamais. Et on va envoyer. Peut-être Virgile? C'est le moins sexy pour le moment, Virgile. Entraînement terminé, ok. Donc personne d'autre à l'entraînement, on envoie deux à l'assemblage. L'anarchie, l'agitation. Alors, à l'assemblage, on va envoyer. Bah, c'est simple, on veut Godmother. On veut lui, on veut le soigneur et on veut. Est-ce qu'on veut le soigneur? On va prendre Torque plutôt à la place. Et on veut augmenter Blue Blood. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris Cherub aussi. Mais je me dis que j'aimerais bien avoir les deux pompes. Non, on va y aller comme ça. Vous voyez, je pense que c'est une erreur d'utiliser autant d'agents. On les monte tous et en fait, on devrait optimiser pour la mission finale. Mais par contre, j'espère qu'on aura des infos sur la mission finale, pas comme l'autre, où ils nous ont rien dit. Pour qu'on puisse bien la gérer, quoi. Prendre les meilleurs persos, les bonnes grenades et tout ça. Ce qui n'est pas forcément évident immédiatement. Voilà, donc là, on va faire ça. Voilà, c'est passé à 5. On pouvait pas l'attaquer, hein, rassurez-moi. La bobine sacrée enlève des humains pour ses expériences génétiques. Ceux qui survivent ne sont plus les mêmes. Ça ne peut plus durer. Trouvez-les, arrêtez-les et ramenez ces gens. J'ai peut-être fait une boulette, non? Bon, aussi me met l'événement, c'est qu'on peut les attaquer maintenant. T'as combattu pendant l'invasion, pas vrai? Dans un centre urbain? À Paris, oui. Ça m'impressionne que t'aies survécu. Je dois prendre ça pour un compliment? Non, c'est la réalité. Le taux de mortalité était très élevé à Paris. Je m'en souviens. Tu devrais y aller. Très bien. Ouais, Godmother, elle pourrait te botter le cul. Alors, fusil à pompe légendaire. Chrysalis nouveau-né, cette mission inclut des chrysalis nouveau-né. Ok, alors là, c'est rigolo. Parce que techniquement, on n'a pas besoin de la faire. Celle-là. C'est pas écrit critique, hein. Bon. De toute façon, on va stopper là. Mais vous voyez, là, techniquement, on n'a pas besoin de la faire. J'ai juste à la désintégrer la difficulté. Et ensuite. Stopper celle-là. Du coup, j'enlève tout l'unrest ici. J'arrête l'unrest ici parce que je fais la mission. Je récupère le pompe élite. Il y a juste ce truc qui me fait peur. Du coup, j'utilise pas le clap. Ou alors, je fais la mission principale et je fais le clap sur celle-là. Mais là, je vois pas l'intérêt de faire ça. Simplement en la faisant, on l'arrête. Et ça nous fait une mission supplémentaire. Ensuite, les missions d'après, ça va être un point seulement. Donc même si ça tombe là, ça augmenterait que d'un point. Vous voyez? Donc on n'est même pas obligé d'utiliser le clap à ce moment-là. On pourra le garder pour une grosse mission qui tomberait sur un point ingérable, là ou n'importe où en fait. Vu qu'on pourra en faire une et pas deux. Donc je pense que c'est ça, le plan. C'est qu'on ne va pas là-bas. Eh, c'est étrange, hein, de pas faire ça. Mais je crois que c'est ça. Allez, merci d'avoir suivi et à bientôt.